Bonjour, bienvenue dans la maison des parents. Si vous ne connaissez pas cette émission, sachez qu'elle est tous les jours sur France 4, du lundi au vendredi à 14h. Et on s'intéresse à nos enfants et à nos adolescents. Aujourd'hui, un sujet dont on aimerait bien ne pas avoir à parler, la cigarette. Un enfant de 12 ans, j'ai peur qu'il commence à fumer. Je ne sais pas trop quoi faire, ni trop quoi lui dire pour l'en dissuader. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors, je sais que vous pensez la même chose qu'Aurélie, vous êtes démunis, vous ne savez pas comment faire. Nous aurons les conseils d'un spécialiste dans quelques instants. Restez bien avec nous. On se demandait pendant le générique avec Marie si on pouvait fredonner ce nouveau générique. Alors que la maison des maternelles, Yasmine. Pardon, mais je ne sais pas. Oh, my Rangan. Ok, je vais réviser. Range Tech. La Corée aussi. Voilà. Alors, on vous apprendra la Corée, Yasmine Ouglis. Maintenant, vous êtes officiellement de notre bande. Et il va évidemment s'agir de créer la toute nouvelle Corée de ce générique. Yasmine. Oui, bonjour. Comment vous sentez? Là, ça fait un petit moment. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette nouvelle bande? Ou est-ce que Marie vous fait des petites piques sous la table? Benjamin vous tire les cheveux? Comment ça se passe? Benjamin, honneur. Non, tout va bien. J'espère qu'un jour, je maîtriserai l'accent belge aussi bien que vous deux. Ouais. Et comme ça, on pourra le faire toutes les trois et ce sera encore plus rigolo. Ça saurait durer et continuer. Oh, ça saurait bien. Voilà, ça va venir, Yasmine. Dans un instant, vous allez nous montrer ce que pensent les ados de la cigarette avec leurs mots. C'est très intéressant de les entendre à cœur ouvert parce que vos ados à vous ne vont pas vous dire la vérité, alors que ceux-là vont vous la dire. Marie Perarnaud, quelques chiffres pour démarrer sur et ce oui, sujet. Et oui, quelques chiffres alarmants. Comme toujours, je ne sais pas pourquoi, moi, je fais toujours les chiffres alarmants. Du coup, après, on est content d'en parler. Parce que c'est à l'adolescence, évidemment, que la majorité des jeunes se mettent à fumer et des fumeurs à long terme, surtout. Et ça, c'est le plus inquiétant. L'âge de la première cigarette, elle correspond un petit peu à l'entrée en sixième vers 11-12 ans. Le collège. Alors, il y a 40 ans, c'est des bébés. C'est nos petits bébés. Hein, il a quel âge, votre fils, déjà ? 13, le grand, et 11, le deuxième. Ouais. Donc là, vous êtes en plein cœur de cible. Hey, tout va bien, je ne suis pas du tout stressée. Il y a 40% de fumeurs réguliers chez les 16-25 ans. Je rappelle que fumeur régulier, ça veut dire au moins une cigarette par jour. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà, hein, on est bien. Et le tabac est la première drogue consommée par les jeunes Français. C'est un vrai problème de tabagie. Il y a un vrai problème de tabagisme en France. 26,3% des jeunes de 15 ans sont ces fameux fumeurs réguliers. Ces chiffres sont dramatiques parce qu'on sait que la moitié de ces jeunes ne parviendra pas à arrêter de fumer, donc restera ce fumeur régulier et la moitié décédera de ce tabagisme. Donc il faut quand même voir qu'il y a 73 000 morts chaque année du tabac en France et qu'il y a donc un fumeur régulier sur deux qui décédera de son tabagisme. Donc il faut vraiment... Merci Marie, c'est une belle après-midi qui démarre. Et oui. Alors il y a énormément d'études évidemment sur le tabac et les jeunes. Je vais vous faire une petite synthèse. Évidemment, ça va dépendre de nos comportements à nous aussi adultes. Trois quarts des fumeurs ont des parents qui fument. Ça, au moins un des deux parents qui fume. Bref, si on compulse toutes ces études, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui se jouent dans l'environnement et que toutes les stratégies qu'on va devoir adapter vont devoir s'intéresser à l'adolescent, justement au regard qu'il va porter sur le tabac et sur la cigarette, sur les raisons qui le poussent justement à consommer et puis justement sur un petit peu tout l'environnement qui gravite autour de lui. C'est vraiment là qu'il va falloir travailler, s'appuyer et je compte sur vous Agathe pour le faire aujourd'hui avec vos invités. Oui, on a un expert formidable qui va répondre à toutes vos questions. Yasmine, qu'en pensent les enfants et les ados alors ? Alors aujourd'hui c'est incroyable, ils sont tous d'accord, fumer c'est mal. Oui, voilà. Là-dessus, tout va bien. Ils sont aussi d'accord sur le fait, comme vous le disiez d'ailleurs, que la première cigarette est fumée au collège. Il se trouve que j'ai quand même interrogé des collégiens, des lycéens, et qu'en fait, quand je leur demande la première cigarette, tout ça, mais ils ont pas essayé. Oui, non, c'est marrant. Bizarre. Ouais, c'est rigolo. Vous êtes allé dans une école saine ? Non, je pense qu'ils me mentent. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, je remercie Massine parce que lui, il a eu l'honnêteté de répondre. Les autres, je vous crois pas deux secondes. On m'a déjà proposé, mais j'ai dit non. Moi, je fume pas, je suis asthmatique et je fais beaucoup de foot, du coup, bah, c'est pas trop pour moi, ça. Ça sert à rien, premièrement. Ça, tu souffles et ça fait juste de la fumée, rien d'autre. Beaucoup de mes copains ont essayé de me faire fumer ou quoi, mais moi, jamais fumé. Et j'ai juste voulu goûter, tester pour voir ce que ça faisait. Et j'ai pas accroché. Par contre, ma mère,
Et ben, quand elle était petite, elle avait des chocolats en forme de cigarette, avec le papier de cigarette. Et avec ses copines, elle fumait comme ça. Franchement, 12 ou 13 ans. On a le droit de fumer à 20 ans. Dès qu'on rentre au collège, on voit réellement beaucoup de gens qui fument à l'extérieur du collège. Au lycée, ouais, ça devient quelque chose assez commun, genre. C'est pas demain, parce que c'est fait avec du plastique et du pétrole. Ça commence comme ça, avec une bouffée de cigarette. Et après, on peut très vite devenir addict. C'est connu que la cigarette, c'est pas bien, ça peut provoquer plein de choses, comme, je sais pas, des cancers. Et donc moi, je vois pas quel est l'intérêt. Et je sais très bien que si j'essaye un jour ou que je commence, bah, ça sera dur de s'arrêter. Ah oui, ça c'est vraiment une parole d'or, ça. On va tous faire comme Simon, on va pas commencer. C'est ça. Non, après, je disais que aux téléspectateurs que là, ils étaient sûrs d'entendre la vérité, donc on est bien d'accord, je suis d'accord avec vous. Ils pipotent tous, vous êtes tous des mythos. Voilà, je pense que, en tout cas, si on a des parents qui fument, forcément, à un moment, on va rallumer un petit mégot pour voir ce que ça fait, etc. Je parle de ma propre expérience. Alors, on va se retrouver. Mégot, ouais, oui, ben non, mais je vois bien que je mettais je découpais du scotch et je me peignais les ongles pour faire comme si j'étais ma mère. Et je rallumais ces mégots et je faisais. Je me mettais dans la glace, ça a démarré comme ça, à 8 ans et demi. Bravo. Vous n'avez jamais fumé, vous, Marie? Non, mais j'ai une petite maladie du poumon. Donc moi, j'avais mon sac, je veux pas de ta clope, quoi. Tout le monde me détestait. Le sac QS avec marqué, ça sert à rien de me vendre des clopes. Vous, Yasmine, vous avez fumé? Officiellement, non. Ah, c'est comme c'est pareil. Su. Et aujourd'hui, vous avez 40 ans, on peut le dire, et vous n'osez toujours pas dire à vos parents que vous avez fumé. C'est dingue, on reste toujours les enfants de ses parents. Hein. Bon, ben moi, ils le savent. Hein. Hier, j'ai clopé et j'ai arrêté il y a 7 ans seulement. Donc, bisous à tous. Mais c'est pas si difficile, on va le voir avec nos invités. On va se retrouver tout à l'heure, Marie, oui, pour parler avec notre expert et transmettre les questions que les internautes auront posées. Yasmine, vous aurez plein de ressources pour nous aider justement à arrêter de fumer et aider les parents à accompagner leurs enfants pour que la clope ne commence jamais. Vous pouvez retrouver tous nos dossiers sur le portail de la Maison des Parents, la Maison des maternelle et des parents, le hashtag, le QR code, je vais y arriver, est en bas de votre écran, vous le scannez et on va laisser peser. Mon enfant fume-t-il en cachette? Comment le convaincre de ne pas commencer ou comment le convaincre d'arrêter? On se dit tout avec nos invités. Alors, plus d'un quart des jeunes de 15 ans, c'est-à-dire 26,3%, c'est énorme, sont des fumeurs réguliers. Pas étonnant que ce soit la hantise de la plupart des parents, comme vous Aurélie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Rio, un petit garçon de 12 ans. Et depuis quelques temps, vous avez un petit doute. Vous vous demandez s'il fume et vous aimeriez évidemment des conseils pour l'en dissuader. Eh bien, vous avez sonné à la bonne porte. Vous êtes le meilleur expert du monde pour ça. À vos côtés, Iltizam, j'ai bien prononcé? C'est ça. Vous avez 21 ans. Franchement, c'est super courageux de venir témoigner aujourd'hui. On s'est dit jamais on va trouver un jeune homme ou une jeune femme qui va venir témoigner de son addiction à la cigarette. Bah, si, vous. Vous avez commencé à fumer à 16 ans et vous avez arrêté il y a 6 mois. C'est ça. Voilà, c'est bien. Franchement, ça va vous motiver de revenir. Donc, on a hâte que vous reveniez sur votre parcours de fumeur. Docteur Olivier Fan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service addictologie à la Fondation Santé des étudiants de France, spécialisé dans la prévention, la formation, la recherche et la prise en charge des jeunes entre 12 et 25 ans, présentant des conduites addictives en général. Hein. Vous nous donnerez des conseils notamment sur les choses à dire ou à ne pas dire quand on découvre que son enfant fume, parce que forcément, on a peut-être des réflexes un petit peu trop passionnés et on n'a pas forcément la bonne attitude. Alors, déjà Aurélie, j'aimerais que vous me parliez un petit peu du profil de Rio. C'est quel genre de pré-ado puisqu'il a 12 ans? Déjà, c'est un ado très calme, très gentil, il est très à l'écoute. Il écoute vraiment bien, il travaille très bien à l'école. Il a failli passer deux classes, mais j'ai refusé parce que je voulais qu'il soit bien dans ses baskets, qu'il ne rentre pas trop vite, etc. Et il est très sportif. Il est très sportif, donc ça serait encore plus dommage qu'il fume, quoi. Complètement. Il est sportif. Oui. Iltizam, c'était quoi votre attitude par rapport au tabac quand vous aviez l'âge de Rio? J'étais très anti-tabac. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais pu fumer un jour. J'avais le discours de mes parents qui m'aidaient aussi à refuser ça. Ils étaient très anti-tabac, ils ne fumaient pas eux-mêmes? Ma mère avait fumé, mais jamais elle l'avait dit auparavant. J'étais anti-tabac à tel point que un copain de mon père avait un paquet de cigarettes et moi je lui cassais ses cigarettes quand il venait à la maison. Ah, ça a dû l'énerver parce que ça quand l'énerver. On est fumeur, oui. Ça pas du tout. Parole d'une ex-fumeur. Aurélie,
Donc vous avez commencé à avoir des doutes sur le fait que Rio fume. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Alors en fait, un soir à table, il nous a demandé « Maman, est-ce que si je fume, ça te dérange ?» Alors que c'était jamais venu sur le tapis. Enfin, jamais il nous en a parlé. Du coup, ça nous a étonnés. Et moi, j'ai essayé de voir s'il sentait pas un peu la cigarette, tout ça. J'ai jamais rien su. Et du coup, mon conjoint lui a dit « Écoute, si tu veux fumer, tu viens fumer avec moi. » Tu vas fumer un paquet, ça va te dégoûter et tu ne voudras plus fumer. Sauf que moi, je ne suis pas trop d'accord avec l'idée-là. Mmh. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Bah en tout cas, c'est comme ça qu'il a réagi, il lui a dit ça direct. Voilà. Vous êtes fumeuse vous-même? Un petit peu. C'est-à-dire un petit peu? Deux, trois cigarettes par jour. Ouais. Et votre conjoint? Il a arrêté de fumer. Il fumait beaucoup aussi. Ouais. Docteur Fan, alors est-ce que dire à son enfant, écoute, si tu veux fumer, tu vas venir avec moi, tu vas fumer un bon paquet et ça va te dégoûter, est-ce que c'est une bonne attitude, un bon réflexe? La cure de dégoût n'a pas prouvé son efficacité. ça a été tenté, hein, même au niveau professionnel. Oh, oui, les cures de dégoût au tabac, ça marche moyen. Donc même scientifiquement, c'est pas. Je crois qu'il faut, entre autres, demander et dire à son adolescent déjà pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on tient en lui, parce qu'on l'aime, parce qu'on connaît les dangers du tabac. Paradoxal. Une interdiction bienveillante. Une interdiction bienveillante et ça dépend aussi de la qualité du lien que vous avez avec votre adolescent et de ce que vous pouvez vous permettre en temps, en moyens et selon la personnalité de l'adolescent. Il y a des adolescents qui réagissent très bien à l'interdit, d'autres qui vont réagir différemment, qui vont être sensibles aux émotions, à l'attention. Donc il y a pas mal de méthodes, mais il faut l'adapter à la personnalité de son enfant. En fait, en gros, ce que vous dites, c'est que on n'interdit pas, mais on conseille. Alors, l'interdiction, ça peut servir. Je crois que placer l'interdit, je suis pas contre, mais il faut l'accompagner. Oui, mais je pense que l'interdit peut... C'est important, c'est le sens que ça a. Donc, je ne jetterai pas l'interdit, mais il ne faut pas que ça n'en reste que là. Mm-hmm. C'est-à-dire, on interdit, mais on accompagne. Parce que le risque de l'interdit, c'est qu'il passe en sous-marin, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne saurez jamais rien et il fait tout ce qu'il veut. Donc ça, c'est le danger de l'interdit. C'est que ils finissent par vous mentir pour protéger ce qu'il considère être sa vie privée. Mais le conseil, la porte ouverte, la bienveillance, le fait d'en parler, la manifestation de l'inquiétude sont autant d'éléments qui vont être, je dirais, très efficaces, y compris sur le long terme. Je dis aux parents, parfois, c'est une graine que vous plantez et qu'il a intégré que ses parents l'aiment, qu'il se passe quelque chose. Et qu'à un moment donné, ça poussera. Il faut de la patience quand on est parent. Aurélie, le fait que vous fumiez, est-ce que ça vous a un petit peu gêné, justement, quand il vous a posé cette question dans votre réaction? Oui. Parce que je ne peux pas me permettre de le juger, sachant que moi, je le fais. Je ne me vois pas légitime du tout dans ce que je dis. Parce que même lui, il me le dit. Mais pourquoi tu ne me dis de pas fumer si toi, tu fumes ou fumez Oui. Donc non, je ne suis pas du tout légitime. Et vous avez commencé à quel âge? 12 ans. Vous le comprenez. Bah oui. Généralement, c'est l'âge, hein, voilà. Oui. Olivier Fan, vous êtes docteur? Je ne sais plus d'ailleurs. Oui. Ah, bah vous êtes docteur, ça va, parce que je me disais tout à coup, c'est plus marqué docteur. Peut-être que je me suis trompée. Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas pour détecter que son enfant fume? Alors là, donner des conseils aux parents. Oui, l'odeur de la cigarette. L'eau de Cologne périmée, ça c'est du vécu, des jeunes qui essayaient de masquer effectivement... c'est pire, c'est encore pire que le tabac. Non, je plaisante. Mais c'est des attitudes de dissimulation, mais on finit par le voir et surtout ça sent très fort, ça accroche les vêtements. Alors il va dire qu'il est allé dans un groupe de fumeurs, évidemment. Oui. Mais je dis toujours, le bien le plus précieux, c'est la qualité du lien. Plus le lien est de qualité, plus l'adolescent va se confier à ses parents. Plus le lien est détérioré, bien, ça sera le jeu du chat et de la souris. Hein, c'est comme dans Tom et Jerry, c'est en général la souris qui gagne, malheureusement. Mmh, et oui. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut dire aux parents, c'est ça.
Quoi qu'on fasse, la qualité du lien est un bien extrêmement précieux. Et elle se travaille dès le plus jeune âge. Et pour ça, vous avez l'émission du matin, la maison des maternelles à 9h. Voyez. Alors, Iltizam, quand est-ce que vos parents ont eu des doutes, vous ? Est-ce que vous avez utilisé la technique de l'eau de Cologne ? Oui, je l'ai fait. Ah, c'est vrai ? Oui. Bon, ben, ça ne marche pas du tout. Non, pas du tout. au contraire. Oui, ils ont eu des doutes à partir du moment, bien sûr, où ils ont commencé à sentir une odeur. Mon père... pour lui, c'était hors de question que je commence à fumer, donc il a été très intrusif, il a beaucoup fouillé. Ma mère, un peu moins. Elle voulait se jouer sur la confiance. Mon père, pas du tout. Et donc oui, il a commencé à trouver des paquets vides dans mes poches, des briquets, etc., etc. Puis de fil en aiguille, au bout d'un moment, j'avais plus d'excuses et me suis dit que la meilleure chose, bah, c'était de crever de l'abcès, lui dire clairement que je fumais. Donc c'était dur pour lui au début. Dû son contexte familial, vu qu'il a un proche à lui qui souffrait d'un cancer du poumon, qui est mort de ce cancer du poumon. Et ça a été très difficile pour lui de l'accepter, mais au final, avec le temps, il s'est dit que bah, j'arrêterais si je me sentais bien et qu'il fallait que lui, il ait un rôle à jouer là-dedans, en me poussant, en m'encourageant et en me donnant confiance. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à commencer ? Alors, quand j'étais petit, j'étais très anti-tabac, mais forcément, avec l'adolescence, on remet un peu tout en question, surtout la parole des parents. Donc, je voyais des copains qui fumaient. J'étais pas dans un environnement avec beaucoup de fumeurs, dans mon lycée, il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, j'ai commencé à prendre une cigarette ou deux pour faire cool un peu. C'est des cigarettes qui étaient, à l'époque, c'était encore autorisé. Qui était aromatisé. Il y avait des goûts à la myrtille, à la menthe. La fameuse menthol. C'est ça, exactement. C'était, pour moi, c'est normal que ce soit interdit à l'heure actuelle parce que c'est un argument qui m'a permis de fumer, entre guillemets, hein, ça m'a donné envie. Puis par la suite, j'ai changé de lycée. Je suis parti sur un lycée, du coup, dans Paris, intramuros. Et là, ça a tout changé. Il y avait des fumeurs partout. Et forcément, vu que j'étais dans une période où je venais de commencer, je n'étais pas un vrai fumeur, là, ça m'a directement mis dedans et j'ai commencé vraiment à fumer à ce moment-là. C'était une façon de s'intégrer aussi avec des nouvelles personnes. Absolument, oui. À la récré, on pouvait aller fumer une clope avec les autres. Docteur, pour quelle raison est-ce qu'un ado commence à fumer alors qu'il était farouchement opposé à la cigarette quand il était enfant ? C'est assez classique, ça. Oui, c'est assez classique. Il y a la question rationnelle, c'est-à-dire que la plupart des adolescents considèrent que c'est dangereux. Et puis, il y a le côté plus émotionnel, le fait que fumer peut se donner de la contenance. C'est aussi un lien social. Il y a toujours dans les classes de récréation le coin fumeur où les gens cool se retrouvent. Fumer, c'est aussi devenir adulte. Fumer, c'est aussi au départ un stimulant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc il y a de multiples raisons, mais l'effet de groupe est extrêmement important. Hein, l'intégration au groupe fait partie des raisons pour lesquelles l'adolescent commence la première cigarette. Iltizam, on est d'accord que la première cigarette, elle est atroce en plus. Ah oui, oui, oui. Ce coup de poignard qu'on prend dans les poumons quand on crapote pas, qu'est-ce que ça vous a fait, votre première cigarette ? Ça m'a fait tourner la tête beaucoup. Je suis tombé malade par la suite. En plus, de mémoire, je crois que c'était une cigarette de contrefaçon en plus que je fumais. Ouais. Donc c'était encore pire. Parce que c'est hors de prix en plus pour un ado de 16 ans. Oui, oui, c'est hors de prix. Puis on n'a pas forcément envie d'acheter un paquet directement entier. Du coup, on trouve des systèmes D en allant chercher une cigarette à l'unité. Ça se vend, on en trouve. Mais ça se trouve de la main à la main, ça. Oui. C'est des gens qui trafiquent, quoi. Ils font des petits trafics et ils vendent des cigarettes. Il y a ça, et on peut en trouver dans certaines petites épiceries de quartier, entre guillemets, d'accord. Ça dépend. Mais la plupart ne le font pas, mais on peut en trouver. Et c'est presque tout le temps des cigarettes de contrefaçon. Donc oui, j'ai commencé par là. Puis il y avait cette sensation, j'ai l'impression qu'on m'ouvrait les poumons, clairement. Je trouvais ça dégoûtant, mais... avec le recul, je me dis que j'ai dû continuer parce que je trouvais ça stylé, entre guillemets, de fumer. Oui, et puis au bout d'un moment, on aime ça, c'est ça qui est, qui est terrible. Docteur, alors, vous le disiez, Iltizam, les cigarettes aromatisées sont interdites maintenant. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à faire politiquement pour essayer d'inciter nos ados à ne pas fumer ? Il y a déjà les gens qui se battent pour le paquet neutre. C'est quoi le paquet neutre ? C'est-à-dire qu'un paquet où il n'y aurait même pas la marque, il n'y aurait rien, parce que ça a une efficacité par rapport aux consommateurs. C'est-à-dire plus de marketing, c'est ça que vous voulez dire ? Par rapport à ça. Hein. Effectivement, on avance beaucoup. Et puis, effectivement, la prévention dans les lycées et les collèges. Et c'est vrai que plus on commence tôt
la prévention, mieux c'est. Et on insiste surtout sur, je dirais, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est-à-dire savoir dire non, refuser. Et ça, plus on commence tôt, c'est-à-dire avant même la première cigarette, plus l'efficacité est grande. Parce que ce qui est paradoxal chez la cigarette, c'est qu'ils ont l'impression que c'est une liberté, alors que c'est la pire des assuétudes. Donc il y a un côté faux du marketing. Et puis il y a une manipulation très claire des industries du tabac. Mm. Et c'est vrai que la non-consommation est liée aussi au fait de garder son esprit critique, de dire ben, je peux faire aussi une personnalité individuelle comme non-fumeur. Donc c'est tout ça qu'il faut être abordé et qu'il faut travailler. Mais déjà, hein, les campagnes ont eu quand même l'efficacité. Je ne connais pas d'adolescents qui disent que ce n'est pas dangereux, hein, contrairement à d'autres produits. Mais pour le tabac, ils reconnaissent que c'est dangereux. Alors que dans les années 60, on ne le savait pas. Voilà, c'est ça. Super. C'est-à-dire qu'il y avait un doute sur la dangerosité. Là, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas pour ça qu'on s'arrête de consommer. Mais nous, ça nous permet de travailler sur d'autres aspects de la consommation, la perte d'argent de poche, la perte de On va reparler parce que ça, je veux qu'on passe un bon moment. Je trouve que ces conseils sont vraiment précieux pour les parents. On va les lister dans un instant, justement, les arguments qui peuvent faire changer d'avis nos ados. Juste une question sur les cigarettes de contrebande. Iltizam, apparemment, vous en avez pas mal consommé parce que forcément, c'est moins cher. Est-ce que c'est avéré qu'elles sont plus dangereuses que les cigarettes qu'on trouve dans les bureaux de tabac ? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est ça le problème. Il peut y avoir, ça peut être coupé avec des tas de cochonneries. Donc oui, hein, c'est dangereux. Voilà, oui, ça suffit. Mais c'est-à-dire qu'en gros, il peut y avoir un milliard de produits chimiques. C'est ça. Voilà. Mais après, c'est comme dans le hashish où on peut fumer du pneu. Exactement. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc ce qui ne veut pas dire que la cigarette pure n'est pas dangereuse. Bien sûr. Enfin, si elle est encore plus dangereuse... On ne sait pas. C'est au moins aussi dangereux, voire plus. Oui, c'est ça. Donc c'est mieux d'éviter. Aurélie, vous disiez que vous fumiez donc, à l'âge de Rio. Oui. Comment est-ce que vous fumiez? C'était avec qui? C'était en cachette? C'était à quelle occasion? Donc oui, c'était en cachette. ça rejoint un peu ce qui a été dit. C'était au collège. On se cachait. À l'époque, il y avait encore les petits paquets de 10. On allait à tour de rôle acheter ça. Je ne sais même pas si on fumait parce que... Mais moi, j'ai des souvenirs à ma génération où au collège, on ne nous disait rien quand on fumait. Oui. Dans la cour de récré, il n'y avait aucun problème. Quoi. Oui, c'est vrai, ça. On pouvait fumer. Oui. Tout à coup, je viens de me souvenir de ça. C'est vrai. Donc, on n'avait pas un pion qui venait nous voir en disant « Dis-moi, c'est pas bon ou c'est interdit. » Il n'y avait même pas un âge minimum. Quoi. Oui, c'est vrai. Vos parents n'étaient pas au courant? Non. Pas du tout. Ils vous ont pas gaulé? Non, mais ils avaient des petits soupçons, je pense. Mm-hmm. Mais non, ils m'ont pas gaulé. Non. Donc, Iltizam, vous le disiez, il fallait un petit peu passer par des chemins de traverse pour acheter vos cigarettes, parce que dans les bureaux de tabac, c'était impossible? Non, pas du tout, justement. Ah bon? Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. C'est moi, personnellement, quand j'ai changé de lycée, à Paris, il y avait un tabac qui était à 100 mètres. Et je pense que le buraliste savait très bien qu'on était tous mineurs, mais vu que ça représentait énormément de son chiffre d'affaires, il fermait les yeux. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, vraiment, en France, où il faut appuyer, sanctionner peut-être plus sévèrement pour éviter ça, parce que je pense que c'est réellement comme ça qu'on arrivera un peu à faire freiner les choses. C'est vrai que des fois, on ne m'a pas autorisé à acheter des cigarettes, mais la plupart du temps, je n'avais pas de mal. Donc je pense que... Après, bon, bien sûr, quand il y avait un copain qui avait de la barbe ou qui paraissait un peu plus vieux, on lui demandait d'acheter notre paquet pour nous, parce qu'on avait peur justement de ne pas avoir notre paquet. Mais la plupart du temps, on n'avait aucun mal. Et je pense qu'il y a vraiment un travail, du moins en France, si on se réfère au système, par exemple, américain ou canadien, où là-bas, la loi oblige une carte d'identité si on paraît de moins de 40 ans. Je pense qu'en France, on doit réellement faire ça, parce que c'est ce qui empêchera justement les jeunes de fumer et... Pas la totalité. Les poussera peut-être aussi à acheter des cigarettes de contrebande, non? Parce que quand vous n'y arriviez pas, c'est ce que vous faisiez, j'imagine. Les cigarettes de contrebande, en général, les achetaient surtout au niveau du prix, parce que ça peut atteindre... Et comment vous faisiez? Par qui? C'est sur Internet? C'est comment? Non, pas du tout. Il y a des foyers qui en vendent, on peut en trouver des épiceries. Je pense aussi à certaines stations de métro dans lesquelles il y a des vendeurs à la sauvette. C'est super facile d'accès. Honnêtement, on n'a pas à courir partout pour en avoir. Je pense que, justement, on devrait être un peu plus sévère là-dessus.
ne pas les laisser, parce que moi, je l'ai vu, la police ferme les yeux dessus. Bon, j'ai vu aussi la police saisir hein, des matières telles, mais il y a aussi une politique de l'autruche, quoi. On ferme les yeux et puis on laisse passer, parce que bah, ça permet aussi à des gens de vivre. On ne va pas se mentir, c'est des personnes qui sont dans le besoin qui vendent ça. Donc c'est pour ça. Je pense qu'on devrait être un peu plus strict avec les buralistes et les vendeurs à la sauvette sur ce sujet-là. Voilà. Alors, la grande question qu'on se pose tous, quand même, c'est pourquoi, alors que le paquet de cigarettes est hors de prix, il est à combien aujourd'hui, docteur, un paquet de cigarettes ? 10 euros, je crois. 10 euros, c'est 10 euros, c'est ça ? C'est quand même hors de prix. Donc, c'est de plus en plus cher. On peut quasiment plus fumer nulle part, quand même, il faut le dire. Et pourquoi, alors, du coup, les jeunes fument toujours et sont autant attirés par leur première clope ? Rite initiatique ou bien stratégie commerciale ? Alice Denoise, une tabacologue qui a longtemps travaillé dans la communication de l'industrie du tabac, répond à cette question et c'est une enquête de Charlotte Finet. Moi, ma première cigarette, c'était un peu tard. C'était début seconde. Je me suis dit c'était rigolo, genre pour faire un peu comme tout le monde, faire le kéké comme on dit, tu vois. C'était vraiment juste pour essayer avec une amie comme ça. Et le goût, ça m'a tout de suite dégoûté, enfin, j'ai vraiment pas aimé. J'en ai pas pensé grand chose parce que bah, ça me... genre, je savais pas fumer, surtout j'ai crapoté. Ça t'a pas dégoûté ? Ça m'a pas dégoûté, mais ça m'a fait ni chaud ni froid en fait. Genre, je savais pas à quoi ça servait plus tard de fumer en fait. Pour l'industrie du tabac, les jeunes consommateurs ont toujours représenté un enjeu commercial majeur. Pour les séduire, toutes les stratégies sont bonnes. Là, on est sur de la menthe, donc on va aller forcément faire le focus sur la fraîcheur. On a l'élégance, parce que l'élégance, elle est induite par la forme de la cigarette, qui est très, qui fait penser à un porte-cigarette, donc eux, ils appuient là-dessus. Là, carrément, la cigarette nous aide à sortir de la réalité, qui peut être un peu terne, un peu grise, et va nous aider à accéder à une réalité qui nous plaît plus. En termes de promesses, quand même, c'est assez fort. Assez incroyable d'ailleurs, parce qu'on parle quand même toujours, encore une fois, faut pas oublier qu'on parle de cigarettes et que c'est un produit qui tue. Aujourd'hui, la publicité pour le tabac est interdite, les jeunes fument moins, mais la cigarette garde une aura positive dans leur imaginaire. Ce côté affirmation de soi est toujours là, et que la cigarette, c'est quand même un beau moyen de dire je fais ce que je veux et je vous demande pas votre avis. C'est une expérience comme une autre, c'est pareil. Enfin, aller à l'école, c'est une expérience. Pratiquer un sport, c'est une expérience. Fumer, c'est une expérience. Oui, totalement. Et du coup, bah, ouais, je me suis dit que, bon, écoute, essaye, et au pire, bah, ça te tue. Tu ne tentes rien à rien. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un facteur qui est très important, c'est la représentation de la cigarette dans la société. Parce qu'en fait, dans les films, les séries, à la télé, on voit la cigarette beaucoup plus qu'elle n'est en réalité dans la vraie vie. Je trouve pas que c'est cool. Ça te donne un genre. Ouais, voilà, c'est même pas pour, quelquefois, je prends ça, même pas pour me donner un genre, parce qu'en fait, surtout, quelquefois, j'ai des problèmes, on va dire. Ouais. Et que, je sais pas, ça m'aide un peu à oublier, ouais, tu vois. Dans les moments où j'étais pas bien, ça m'aidait beaucoup à me canaliser et tout ça. Je faisais des crises d'angoisse, et c'était le seul moyen qui me calmait, en fait. Sauf que, du coup, bah, après, je suis devenue addict à la cigarette. Faut que j'arrête, parce que je sais très bien les effets que ça peut avoir. Genre, ça peut attirer le cancer et tout ça. Mais après. C'est compliqué de s'en sortir, je sais pas bah, si... Bah carrément, ouais, ouais, bah oui. Eux, ils savent que fumer, c'est dangereux pour la santé. Donc juste leur redire « fumer est dangereux », ça va pas leur donner les clés pour arrêter de fumer. Donc on s'est rendu compte de ça, et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche beaucoup plus positive, on va aller leur donner des moyens, on va essayer de leur expliquer comment ça fonctionne, et on va leur expliquer, en fait, que la vie sans tabac est beaucoup plus belle, et voilà, c'est vraiment la liberté, la vraie liberté est là-bas, et elle est pas dans le tabagisme. Moi, ce qui me ferait arrêter de fumer, enfin, qui aiderait, c'est de voir que tout le monde autour de moi arrête de fumer. Ça pourrait aider, voir ouais. Mes parents tomber malades à cause de la cigarette, je pense que là, ça me ferait un gros, gros choc et j'arrêterai pour eux. Ma motivation pour arrêter, c'est que je me mets à fond dans le sport, dans le skate et du coup, tu vas arrêter. J'arrête de fumer. Je fumerai une clope en soirée ou je fumerai qu'en soirée, tu vois. Ouais, c'est ça. Le fantasme de tout fumeur, ne fumer qu'en soirée. Mais bon, ça, quand on est un vrai fumeur, franchement, c'est une utopie. Olivier Fan, on les a entendus dire « Ouais, moi, ça me calme, ça me détend, etc. » Est-ce que vraiment la cigarette est un anti-stress ? Sur le long terme, oui. Mais en fait, pourquoi ? C'est que quand on fume longtemps, on devient dépendant du tabac. Donc, quand on s'arrête, on ressent le manque. Et on calme le manque par la cigarette, donc on a l'impression de se détendre avec la cigarette. Mais en fait, la cigarette, au départ, c'était plutôt un psychostimulant. Ça vient détente parce que les gens s'en manquent. En fait. C'est ça. Et comment elle se crée, cette addiction ? Au bout de combien de temps ?
très rapidement. Hein, sur l'ensemble des fumeurs, 80% sont des fumeurs dépendants. La nicotine active une zone du cerveau qui provoque une certaine satisfaction qu'on a envie de reproduire à travers la consommation. Et c'est un mécanisme assez insidieux. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un flash de quelque chose pour ressentir quelque chose qu'on ne peut pas trop décrire, mais qui ressemble à, entre le déstress, le bien-être, par cette stimulation et par le fait qu'effectivement, quand on arrête de stimuler, on se retrouve en état de sevrage, que le sevrage pour le tabac, pour ceux qui le connaissent, est très rude, hein, et que ce qu'on souhaite, c'est que cet état de sevrage s'arrête. Hein. Mmh. Au départ, on dit qu'on fume pour être bien, mais très vite, on fume pour pas être mal. Quoi. Mais on parle beaucoup de la dépendance physique et de la dépendance psychologique. J'ai lu beaucoup que la dépendance physique, elle partait assez vite, que la nicotine, on n'en avait plus dans le sang au bout de 4 jours, je vous dis peut-être n'importe quoi. Mais qu'après, comme on a associé la cigarette à chaque émotion, et Dieu sait qu'on est des tempêtes d'émotions quand on est ado, est-ce que c'est pas pour ça que c'est plus difficile? Alors, on parle plus, hein, dépendance physique, dépendance psychologique. Parce je suis trop que, vieille, c'est ça que vous voulez dire. Non, je ne permettrai pas. Non, c'est sur les si vous voulez, tout a un mécanisme, en tout cas, on sait, neurobiologique, qui est... physique, si vous voulez. Donc, on avait l'impression que psychologique, c'était pas physique. Il n'y avait pas d'organes derrière. Or, on sait les zones qui sont impliquées dans la stimulation et que cette stimulation de certaines zones du cerveau qui provoque lassitude et l'addiction. Donc, c'est vraiment une addiction qui repose sur des mécanismes neurobiologiques qui sont maintenant bien identifiés, que la nicotine vient fortement stimuler. Et en ça, le tabac est une drogue dure, hein, en termes d'accrochage. Donc, par défaut, en tant que parent, on peut se dire que si son enfant fume régulièrement, il est de toute façon accro. Il est dépendant. Aurélie, alors si vous découvriez que Rio... fumer en cachette, est-ce que ça vous décevrait? Est-ce que vous dites que... Parce que quand vous nous avez décrit votre enfant, c'est un peu l'enfant parfait, je veux dire. Je serais très, très, très déçue parce que dans notre famille, on prône la discussion, l'écoute, tout ça, et on a une relation très fusionnelle. C'est mon petit bébé, en fait. Du coup, je le prends très mal. Mais moi, je ne l'ai pas fait avec mes parents, donc je sais... Enfin, je suis un peu dans une position délicate. Mais je le prendrais très, 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 très mal. Parce que j'ai envie qu'il me le dise. Et je pense que s'il me le dit, ce serait plus facile pour moi de l'aider. De l'accompagner. Oui, voilà. Parce que si je ne le sais pas, si je le découvre comme ça, ça va être un choc, je pense. Alors, on va un peu parler justement, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, de la façon dont on doit réagir. Vous disiez tout à l'heure, on n'interdit pas, on conseille. Quels sont les arguments qui fonctionnent, a fortiori quand on est soi-même une fumeuse et qu'on peut à tout moment entendre... Comment tu me conseilles un truc que toi, tu n'appliques pas? C'est alors, compliqué. C'est vrai que le « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais » marche très peu. Hein. C'est ça. Il faut s'adapter à ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire une évaluation. Quand est-ce qu'il fume? Est-ce que c'est en soirée? Est-ce que c'est avec les copains? Est-ce que c'est avec seul? Qu'est-ce que ça apporte? Je crois qu'il ne faut pas être avare d'informations supplémentaires. Parce que ces informations vont guider sur le conseil. S'il y a une dépendance, le conseil ne sera pas le même que si c'est occasionnel. D'accord. Donc première chose, on n'engueule pas son enfant. On évalue. Alors, on évalue. Si vous voulez, quand on découvre, on ressent une émotion. Oui. Ce qui est normal, que le langage émotionnel peut être positif, mais si on est débordé par sa propre émotion, on ne va que transmettre une colère que l'adolescent ressentira comme parfois une entrave à sa liberté par rapport à des parents qui veulent garder le contrôle. Donc je crois qu'il faut aussi savoir gérer ses propres émotions, ne pas transférer sa propre angoisse sur l'adolescent, parce que alors là, généralement, ça flambe, pour faire une évaluation et ensuite donner des conseils. D'abord, s'assurer à ce qu'il sache bien pourquoi c'est dangereux. Donner des informations sur l'industrie du tabac, puisqu'il a horreur d'être manipulé. Hein, parce que la question, surtout la génération actuelle, c'est vrai que la mort dans 20 ans, c'est, ça leur paraît loin. Ils ont, je dirais, une sensation d'immortalité à cet âge. Donc ce sont des arguments qui ne marchent pas trop bien. En revanche, tout ce qui est manipulation, argent de poche, mais c'est surtout l'attention
que le parent va porter en s'intéressant à son adolescent qui va être en fait le plus efficace, qui sente que oui, sa vie est importante pour les parents, que son parent s'intéresse à sa vie. Hein, et disant, ben voilà, est-ce que dans certaines circonstances, ça, le tabac, c'est essentiel pour ça. Est-ce qu'on a besoin de fumer dès le matin ou faire prendre conscience, dire, voilà, on fume dès le matin, qu'est-ce qui se passe comme tout le monde ou, alors, l'idée, faire comme tout le monde, c'est limite du jugement qui peut le rabaisser. D'accord. Si vous dites, tu fais comme tout le monde, en gros, tu n'as pas de personnalité. Hein, donc, il peut aussi mais en, gros, mais en revanche, être le mouton de l'industrie du tabac, oui, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et l'argent après, aussi. Et l'argent aussi. Je crois que c'est aussi les circonstances d'être un peu... voilà, de s'intéresser à la vie de son gamin, de connaître les circonstances et savoir comment ensuite les conseils vont venir de façon un petit peu instinctive et naturelle. C'est sûr que quand on fait le calcul à 10 euros le paquet, à base d'un paquet par jour, hein, ou peut-être un demi-paquet, ça va vite. Ce qu'on peut s'acheter à la fin du mois quand on est un ado, ça fait rêver quand même. Iltizam, vos parents, comment est-ce qu'ils ont essayé de vous dissuader de fumer à l'époque quand ils ont compris que vous fumiez ? Ma mère, elle a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt sur la confiance. Elle m'a montré ce que je pouvais économiser. Mon père, lui, il a réfléchi. Puis, vu que j'étais dans un lycée où il n'y avait pas de cantine, on devait manger à l'extérieur le midi, il m'a distribué des tickets restaurants. Comme ça, je ne pouvais qu'acheter que de la nourriture, en théorie. Donc, c'est plutôt bien réfléchi. Vous n'avez pas vendu vos tickets restaurants ? Si, moi, j'ai fait beaucoup de ça. C'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je payais un repas de copains et le copain me payait mon paquet. Et ça marchait très bien. J'ai un ticket restaurant de 30 euros. Je te le revends 20. Et comme ça, je peux m'acheter deux paquets de copains. Ah non, moi, je ne perdais pas d'argent. Ah, vous ne perdiez pas d'argent ? Non, vous êtes bien meilleur businessman que moi. puis aussi, il me montrait sur comment j'allais perdre un peu de mes capacités physiques. Qu'est-ce que je perdais en fumant ? Ça n'a pas du tout marché. Hein. Moi, ce qui a vraiment marché, c'est le fait de me dire, de me poser, après tous les efforts que mes parents aient faits, de me poser, de me dire, bon, bah, il serait temps que j'arrête. Je vais essayer. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois non plus. Finalement, au bout de la 5e, 6e fois, pendant le confinement, bah, je me suis dit, je ne vais pas racheter de paquets et on va voir ce que ça va donner. Et il y a un moment où votre maman a essayé de réguler en fait, votre consommation. Elle m'a dit... En gros, qu'elle achèterait mes paquets et qu'elle quantifierait mes clopes pendant la semaine. Donc, j'avais 3 paquets par semaine. Puis la semaine d'après, j'en avais 2,5, etc., etc. Elle vous a fait un sevrage, en fait. C'est ça. Alors, c'est une bonne méthode, mais si l'enfant n'est pas impliqué, ça ne sert à rien. Et moi aussi, ça me vexait un peu de lui dire, bah oui, c'est super ce que tu fais, mais je n'ai pas envie d'arrêter de fumer, donc ça ne marchera pas. Oui. C'est très difficile de faire ça. Et je pense qu'elle l'a compris au bout d'un moment parce qu'elle a arrêté. Et puis, elle voyait aussi que moi, bah, j'ai racheté des clopes en douce derrière. Oui. Donc, c'est pas une bonne méthode, ça, docteur. Vous avez deux types de motivation. Vous avez la motivation qui vient de l'extérieur. Ce sont les parents, les amis, les professionnels. Et puis, vous avez la motivation qui vient de l'intérieur de l'adolescent. Et du coup, chaque fois que vous faites de la motivation externe en tant que parent, ça ne marchera que quand cette motivation se transformera en quelque chose de plus interne, ce que vous décrivez. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a la pression des parents, ça ne marche pas directement, mais à un moment donné, je vais internaliser. C'est-à-dire que cette motivation va venir de moi. Et là, effectivement, ça marche. La difficulté qu'on a, les enfants, ce n'est pas des ordinateurs, c'est des êtres humains qui deviennent des êtres à part entière. Donc, on peut impulser les choses, on peut conseiller, mais à un moment donné, il faut que la personne s'en empare. Et c'est ce mécanisme-là qui est difficile, mais qui fait tout le côté passionnant d'être parent. Oui, c'est sûr. Et stressant aussi. Et stressant. Alors, comment ça s'est passé, l'arrêt ? Vous étiez dit quoi ? C'est venu d'un coup ? Alors, il y a eu mon entourage qui m'a énormément influencé. Vu que j'ai passé le confinement avec ma copine, et elle, ma copine, était assez anti-tabac, elle m'a encouragé, ça a bien marché. Le plus dur à gérer, c'était surtout les sauts d'humeur. Comme vous l'avez dit, la cigarette... C'est dur, les premiers jours, ouais, c'est horrible. C'est vraiment des phases de 15 minutes où j'avais l'impression que tout s'effondrait. J'avais les nerfs, vraiment, la rage. Puis au final, ces 15 minutes passaient, ça allait mieux. Et je me dis, bon, bah, là, je suis redescendu. Mais ça allait très loin. C'est-à-dire que pour aller faire les courses, je demandais à ce que quelqu'un m'accompagne pour éviter que j'aille au tabac, m'acheter un paquet de cigarettes, parce que si j'étais tout seul,
je sais très bien que je l'aurais fait. Donc oui, il y a cette fonction d'entourage aussi. J'étais très bien entouré, on m'a bien accompagné. C'est 40%, mais il y a les 60% autres qui résultent du mental, hein, clairement, et de se dire que maintenant, on veut arrêter de fumer. Ce n'est pas mes parents qui veulent arrêter de fumer, ce n'est pas ma copine, c'est moi, personnellement, qui veux arrêter de fumer. Et ça marche. Personnellement, c'est à ce moment-là où j'ai fait les plus grands efforts et les plus grands progrès. Enfin, l'embellie, c'est quand même d'avoir une petite copine qui ne fume pas, hein, pour vos parents. Oui. Ils ont dû dire « yes, ça c'est bien, c'est une bonne motivation ». Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents, dont Aurélie d'ailleurs, qui se dit peut-être que Rio va commencer à fumer ou fume déjà, mais non, j'en suis sûre, non, pour accompagner justement l'arrêt? Mais je crois que par rapport au sevrage, une fois qu'on constate effectivement cette consommation, il y a d'abord la prise de conscience de travailler là-dessus, et ensuite de travailler la motivation de l'adolescent à arrêter et d'accompagner cette motivation. En cas de dépendance forte, il existe, hein, des substituts qui ont montré leur efficacité, et ne pas hésiter, le cas échéant, de consulter un professionnel. Hein, les médecins généralistes, certains sont formés à la tabacologie. Vous avez des spécialistes aussi qui peuvent conseiller ou orienter. Hein, je crois que je dirais qu'il faut aussi fonder l'accompagnement sur l'espoir. Qu'est-ce que l'adolescent a à gagner s'il arrêtait de fumer, hein? C'est-à-dire qu'agir uniquement sur la peur ne marche pas. Oui, ça, on l'a bien, hein, compris. On agit sur l'espoir, c'est-à-dire sur son devenir, sur ce qu'il pourrait être s'il ne consommait pas. Et ça, ça a plus de chances de fonctionner un peu. Aurélie, vous avez déjà essayé d'arrêter, vous? Oui, j'ai arrêté 4 fois en tout, dans mes 4 grossesses. Et après, j'ai repris. Et là, depuis qu'on a commencé à parler de l'émission, on a décidé d'arrêter. Parce que, comme on disait, je ne peux pas dire « arrête de fumer si moi je fume ». Enfin, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je vois que ça ne marche pas du tout. Donc là, on a décidé d'arrêter. Vous n'êtes pas une grande fumeuse, non, en plus? Non. Avant, oui, mais maintenant, non. Et là, ça fait 8 jours qu'on n'a pas fumé. Enfin, 9 jours qu'on n'a pas fumé. Là, franchement, on peut l'encourager. Hein. Tout à fait. C'était dur. Et vous en parlez un petit peu à votre fils? Bah là, pas trop, parce que vous avez pas trop vu. Ouais. Mais quand il va revenir, oui, on va lui en parler. Qu'est-ce que vous diriez, Tizam, pour conclure à un jeune qui fume à 15 ans? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Arrête, mon pote. Oui, il y a le fait d'arrêter, c'est une chose, mais je pense que la première chose à faire, déjà, c'est de s'avouer à soi-même qu'on est addict et d'arrêter de se voiler les yeux. De savoir aussi qu'on a un capital santé qui est primordial, et qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est jeune, mais plus tard on se rend compte que c'est important, même au vu de nos proches. Et voilà, de s'avouer qu'on est addict, et puis d'essayer de freiner et de ne pas faire comme tout le monde, parce qu'au final, peut-être que c'est cool, entre guillemets, de fumer, mais dans les faits, ça nous fait perdre de l'argent, ça nous fait perdre notre capital santé, et on sent mauvais la cigarette à la fin, quoi. Il disait, voulez-vous être mon fils? Parce que, vous savez, j'ai encore peut-être un petit peu de place chez moi pour vous adopter. Il est parfait, quand même. Bon, Aurélie, vous savez quoi dire maintenant pour faire en sorte que votre fils ne commence jamais? Bravo, tenez bon, parce qu'après, on n'y pense plus du tout. Je suis la preuve vivante. Oui, moi, j'y pense jamais maintenant, alors que j'étais une obsédée de la cigarette. Docteur, je vais vous garder, si vous le voulez bien, parce qu'on a plein de questions de parents qui se bousculent et qui ont envie d'avoir votre avis sur des cas peut-être un tout petit peu plus précis. Je vous remercie tous les deux d'être revenus sur ce plateau pour parler de ce sujet brûlant qu'est la cigarette. On va rejoindre tout de suite Marie Perrard. Alors Marie, oui. Vous avez donc consigné sur votre tablette tout à fait. Quelques questions de nos internautes. Évidemment, ça se bouscule parce que c'est un sujet qui nous fait peur, à nous parents, comme toutes les addictions d'ailleurs en général. Oui, énormément de questions. La première est en vidéo et c'est celle de Laurence. Je vous propose de la regarder ensemble. Bonjour, je suis Laurence, j'ai 47 ans, je fume. J'ai 2 garçons de 13 et 14 ans. Est-ce qu'on doit commencer à leur parler du tabac et du problème d'accoutumance? Et le fait de fumer devant eux, est-il une mauvaise image? Alors,
Ça, on y a un peu répondu, mais oui, c'est vrai qu'on peut le redire. C'est vrai que les parents qui fument ont une influence sur le tabagisme des jeunes. C'est la vérité. On ne peut pas le dire autrement. Mais disons que ça banalise, j'imagine, le geste. On se dit si nos exemples fument, c'est que ça ne doit pas être si mauvais. Voilà. Après, sur les dangers du tabac, attention au discours paradoxal. Par exemple, là. Ma mère dit que c'est dangereux, mais elle fume. Oui. Il y a un espèce de paradoxe là qui s'installe. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Faut dire je suis piégé, je me suis fait avoir. Je crois que honnêtement, le meilleur conseil, c'est d'arrêter soi-même. Je ne peux pas dire autrement. Les mots changent. Non, puisque à l'adolescence, ce qui compte, c'est pas la raison, c'est les émotions. Oui. Hein, donc tout ce qui passe par les émotions a beaucoup plus d'impact. Oui. Expliquer en long, en large, en travers que c'est dangereux a peu d'efficacité. Moi, je me rappelle d'un patient, le père sortait les études, ça marchait pas. Puis un jour, il lui a dit, s'il te plaît, t'es mon fils, évite de mourir. Ça a eu beaucoup plus d'impact. Oui. Hein, il s'en souvient encore, probablement. Vous voyez, c'est d'utiliser le langage émotionnel, quelque chose qui marche. Et quand je dis langage, ce n'est pas sa propre émotion qu'on veut décharger. Parce que quand on est parent, on est inquiet. Oui. Hein, et l'inquiétude, c'est un ballon. Et donc, le pire à faire, c'est transférer le ballon sur l'adolescent. Je calme mon inquiétude en parlant à mon adolescent. Ça, c'est contre-productif parce que votre objectif n'est pas de le faire arrêter, c'est de calmer votre angoisse. Oui. Ah, je lui ai parlé, donc là, je me sens apaisé. J'ai fait mon job. Et le transfert de ballon, on sait que ça ne fait que monter. Donc, l'idée de dire, OK, j'ai mes émotions, on prend un bol d'inspiration, je vais d'abord discuter avec lui, est-ce qu'il est à risque ou pas, est-ce qu'il a besoin d'informations ou pas, et on entretient le dialogue. D'accord. On y va parce qu'on a plein de questions. Oui, on en a énormément. Sur Facebook, Jeanne voudrait savoir, qu'en est-il de la cigarette électronique? Est-ce qu'elle est aussi dangereuse que la cigarette classique? Alors, la cigarette électronique, il y a beaucoup de débats. Elle est moins dangereuse que la cigarette classique. Néanmoins, c'est dommage de rester accroché via la cigarette électronique. La cigarette électronique peut rendre dépendant parce qu'elle contient de la nicotine. En revanche, elle ne contient pas les hydrocarbures qui sont susceptibles de donner le cancer. Donc, en fait, il y a des indications. Et la première indication, c'est d'être vraiment dépendant au tabac. Donc, y réfléchir un peu, ne pas hésiter à prendre l'avis d'un professionnel. Ouais. Si mon ado est vraiment dépendant, effectivement, il y a un gain. S'il hésite entre les deux, qu'il essaye, que c'est une recherche de sensations et que tac, il devient accroché à la cigarette électronique, où est le bénéfice? Donc, c'est vrai que c'est pas mieux. Donc, chez l'adolescent, on réfléchit un petit peu avant. Se rue pas sur la cigarette électronique. On fait une évaluation et en fonction de celle-ci, on l'ajuste. Virginie, une question vidéo pour vous. Regardez. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 46 ans, j'ai deux enfants, Laurane qui a 19 ans et Maxandre qui a 15 ans. Je me pose des questions concernant la chicha, parce que Maxandre fume la chicha, il me dit que c'est pas nocif parce qu'il n'y a pas de tabac, qu'il y a uniquement des arômes, mais je m'inquiète quand même. Alors moi je fume la cigarette et c'est un peu compliqué de lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il fume. Voilà. Donc si vous pouvez me répondre à savoir si c'est nocif ou pas la chicha, ce serait très gentil. Merci. Alors la chicha. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui est dangereux, c'est les produits de combustion incomplète. Donc en fait, la chicha, vous avez brûlé quelque chose, hein, que ça va dégager des hydrocarbures que vous allez ingérer dans les poumons. Donc j'ai le regret de dire que la chicha est effectivement dangereuse. Tout dépend de ce que vous y mettez, de combien vous fumez. Alors il y a certes, il y a un petit filtre à eau, mais ça n'arrête que les particules lourdes. Il y a certains autres particules qui s'arrêtent. Donc l'idée que la chicha n'est absolument pas dangereuse, il faut, si vous inhalez des produits de combustion incomplète, vous mettez en danger vos poumons. D'accord. Question sevrage. Laurence nous demande sur Facebook, est-ce que l'hypnose peut aider à arrêter de fumer? C'est très personne dépendant. Sur les grandes études, on n'a pas trop de résultats. Si vous sentez bien avec la personne qui fait de l'hypnose, si vous sentez en confiance, ça peut fonctionner. Mais l'idée qu'on va m'hypnotiser et que je vais pouvoir arrêter, même si j'en ai pas la volonté, c'est pas magique, vous voulez dire. Voilà, j'ai pas constaté d'effet miraculeux. Ça marche, on a décidé, en gros. Ça marche. La confiance en son thérapeute, c'est la clé. Est la clé. Voilà. Dernière question vidéo pour vous de François-Xavier. Ah, pardon, je croyais que c'était une question vidéo.
Bah alors, Marie, bon, que se passe-t-il? C'était pas une question vidéo. C'était une question vidéo. Faites la question vidéo. Pas. Alors, la question portait en fait sur l'utilisation des patchs de nicotine. On a l'habitude de les utiliser en tant qu'adulte. Est-ce que ça peut convenir à des adolescents? Ça peut convenir, mais je dirais que les résultats sont parfois décevants parce que vous avez le geste en fait qui va être aussi important. Oui. Le patch, vous avez la dose de nicotine. Mm-hmm. Il y a des études très intéressantes qui en fait qui montrent une certaine efficacité, mais vous savez que quand vous commencez à préparer, votre cerveau fonctionne et prépare déjà effectivement le cerveau. D'accord. Hein, à ça. Donc il n'y a pas, voilà, de geste que... Il n'y a pas le rituel. On sait très bien que le rituel fait plaisir. En dehors de la récompense. On l'a beaucoup dit qu'il tisable, c'est le fait d'être stylé, quoi. Ouais, voilà. Et de faire partie du groupe. Alors avec le patch, c'est ouais. Pas... Hey. Voilà. Hey, regarde, mon patch. Merci docteur Olivier Fan, merci pour tous ces bons conseils. On reparlera beaucoup merci. Dans cette émission des addictions en général, parce qu'on a parlé de la cigarette. Il y a aussi les drogues dures, il y a les jeux vidéo, il y a énormément de choses à dire et j'espère que vous reviendrez sur le plateau parce que vraiment vos conseils sont concrets et ça fait du bien aux parents que nous sommes. Yasmine, on va aller encore plus loin avec des outils pour aider les parents et aider les enfants. Alors, on veut diminuer, on veut stopper sa consommation. Comment qu'on fait ? Oui, alors quand ça y est, il fume. Quand je dis il au pluriel, hein, il ou elle. Nous, en tant que parents, évidemment, on va essayer de les aider à arrêter. Maintenant, tous les outils que je vais essayer de vous donner ne sont valables que s'ils sont motivés. Ça, on a bien compris qu'on n'allait pas pouvoir les faire arrêter comme bien ça. Bien sûr. Donc, s'il y a bien une info à leur glisser, c'est qu'il existe partout en France des centres, des consultations jeunes consommateurs. Voilà, c'est gratuit, c'est anonyme. Ils sont là, tous ces professionnels sont là pour les écouter et les aider à gérer leur consommation. Alors l'État, en fait, a créé en 2004 les consultations jeunes consommateurs au départ pour aider les jeunes à gérer la consommation de cannabis. Mais progressivement, le périmètre s'est élargi et on les aide maintenant à gérer leur consommation de drogues licites, comme la cigarette, les jeux vidéo, vous l'avez dit, ou encore l'alcool. Donc c'est un lieu d'échange entre des professionnels de l'adolescence et les jeunes. Alors évidemment... Il faut qu'ils s'y rendent de leur plein gré. Oui. Donc, je pense que ça, c'est le plus difficile. Mais déjà, on peut leur donner l'info. Ça existe. Il y a 540 points de consultation en France. Et si vous voulez glisser l'adresse à vos ados, je vous conseille l'air, de vous... L'air de rien. De rien. Tranquillement. Du tout. Le site pour retrouver les adresses près de chez vous, c'est drogue-info-service.fr. Voilà. Donc ça, c'était très sérieux. J'essaie de vous apporter une autre solution un petit peu plus ludique. C'est un jeu. Voilà, un jeu qui est téléchargeable sur toutes les tablettes et les portables. Ça s'appelle Smoke Eaten. Le créateur de ce jeu, au départ, il a imaginé ça pour les enfants qui voulaient accompagner leurs parents qui arrêtaient de fumer. D'accord. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, ça marche aussi. Les ados qui fument et qui ont décidé d'arrêter, encore une fois, peuvent s'aider de ce petit jeu. Alors, le principe de Smoke Eaten, c'est assez rigolo. C'est un petit chat qui, comme le joueur, est en sevrage de tabac. Est-il mignon ? Non, il est très, très mignon. Le chaton soit mignon. Oui, c'est ça. Il est quand même la clé, mignon. Bien sûr. Moi, je n'aime pas les chats. Mais est-il mignon, mignon. Tout à coup, on entend une voix, là. Le chat est très mignon. Bon, ça va. Voilà. Mais je ne sais pas comment il s'appelle, d'ailleurs. Ça, c'est... J'aurais dû demander. Donc, le petit chat est comme le joueur en période de sevrage de tabac. Il est naufragé sur une île, donc privé de tabac. Et au fur et à mesure donc, que les jours passent et qu'il arrête de fumer, forcément, son état s'améliore et son île déserte prend vie. Voilà. Donc, on sait que l'envie de fumer... irrépressible, elle dure entre 3 à 5 minutes. Donc l'idée, c'est qu'en fait, le jeune aille jouer à ce jeu-là pour combler son envie. Donc, pour compenser plutôt cette envie de cigarette. Donc, on lui propose plusieurs jeux. Moi, j'en ai sélectionné deux que j'ai trouvé assez rigolos. Selon son humeur, il peut faire en sorte que le chat joue à la boxe, par exemple. Et donc là, il va faire en sorte que le chat tape en rythme sur un punching ball et il va se défouler lui-même. Il peut aussi faire en sorte que le chat fasse du yoga et qu'il se détende. Le chat est en pleine méditation et il doit faire en sorte de le maintenir en équilibre sur sa queue. Donc tout ça, ça repose sur le principe que le joueur va s'identifier au chat.
Voilà, c'est... Ah, mais cela dit, c'est vrai que les applis de jeu, moi, c'est ma nouvelle clope. Hein. Rosel, c'est ma cigarette. moi, dès que j'ai besoin de me détendre... Ouais. Je joue avec Marie, comme ça, en plus, elle est sûre de gagner. Voilà, je suis sûre de... Alors bon, l'idée, c'est pas non plus qu'ils deviennent addicts à un jeu, voilà. Et en l'occurrence... C'est mieux, hein. Un petit Rosel, c'est un jeu de mots, ça fait travailler les méninges. Là, celui-ci, en tout cas, en fait, il a une fin, parce que les parents, ils pourraient craindre ça, que le jeune veuille tout le temps aller sur le jeu. Ce jeu a une fin, ça dure. Le challenge dure 222 jours. D'accord. Un petit peu moins d'une année, quoi. Voilà. Ouais. Et alors, pourquoi ? Je leur ai demandé. Ils disent qu'il faut 180 jours pour considérer qu'on est plus fumeur quand on a commencé à arrêter. Alors, eux, ils se sont dit 222 parce que 3 fois 2, c'était plus marrant. Voilà. Donc, c'est une application qui est gratuite, du coup ? On peut la télécharger, dit-elle, en voulant faire un petit chat quétaine ? Oui. Voilà. D'accord, super. Alors, en fait, j'ai un petit livre... Je vous ai déjà présenté cette collection. C'est 50 règles d'or pour arrêter de fumer, cette fois-ci. Donc bon, là encore une fois, c'est pas de la magie, c'est des petits conseils. Donc l'auteur propose pour commencer au lecteur d'identifier quel type de fumeur il est. Est-ce qu'il fume par habitude ? Est-ce qu'il fume pour se détendre ? Ou est-ce que fumer le stimule ? Par exemple, si pour lui fumer rime avec stimulation, on lui donne quelques conseils de remplacer la cigarette par un carré de chocolat, par de la vitamine C, par un café. Bon, ça a l'air tout bête, mais bon, c'est vrai que c'est mieux quand on le dit. Les 3 à 5 minutes dont je parlais tout à l'heure, c'est la durée de cette pulsion. Mm-hmm. Là aussi, je pense que c'est bien de savoir que ça dure 3 à 5 minutes et d'essayer de faire autre chose à ce moment-là, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience. Et alors, je pense que ce qui peut être très concret, c'est de compter son argent. On peut faire le calcul ici. On a dit tout à l'heure, je crois que le paquet de cigarettes, il est à 10 euros. Donc, un fumeur qui fumerait en moyenne 2 à 3 cigarettes par jour, il économiserait 40 euros par mois en arrêtant de fumer. Ça, c'est de l'argument, ça. Et celui qui en fumerait un paquet par jour, pour lui, ce serait 280 euros d'économiser tous les mois. Donc, bon, c'est quand même une certaine somme. Je sais qu'on le sait déjà, c'est vrai, mais quand on le dit, voilà, ça peut faire réfléchir. Donc, il existe plein de moyens pour aider nos enfants à arrêter. Mais bon, hein, je pense qu'on l'a dit, hein, le mieux, c'est de ne pas commencer. Si vous voulez éviter de vous prendre la tête avec tout ce qu'on vient de dire. Marie, on a des bouquins aussi ? Oui, alors des bouquins qui s'adressent aux enfants. Mathilde fait un tabac. Il y a très, très peu de littérature jeunesse sur le sujet, parce que ça ne passionne pas les foules de voir des parents ou des enfants fumer. On les comprend. C'est un livre qui est plutôt sympathique et qui a été écrit justement en collaboration avec des classes pour recueillir la parole des enfants. C'est une petite fille qui trouve que sa maman pue. Parce qu'elle sent la cigarette. Et un jour, elle lui dit, alors ça fait très mal au cœur à la maman, et on voit la petite fille qui essaye de cacher ses cigarettes, cacher ses cendriers pour l'empêcher de fumer. Et évidemment, eh bien, c'est le jour où la maman aura décidé, où elle aura exprimé ses émotions et pourquoi elle fume, qu'elle va finalement prendre la décision d'arrêter. Un très chouette livre à lire, justement, pour commencer assez tôt à préférer un petit peu de prévention avec nos enfants. Ça, c'est bien, avant le collège, justement. Tout à fait. Top. Voilà. De toute façon, hein, plus on va prendre le problème à la souche, plus on fera de prévention, mieux c'est, à mon avis. Si vous voulez aller directement voir nos dossiers, en savoir un tout petit peu plus, il y a un portail de la maison des parents, la maison des maternelles à la maison des parents, tous les sujets qu'on évoque toute la journée, puisque vous savez que nous avons trusté l'antenne de France 4, que plus personne n'a de place, puisque nous sommes là donc en permanence. Et pour aller plus loin, vous scannez le QR code qui s'affiche en bas de votre écran, et comme ça, vous retrouvez tout ce qu'on a dit. Ça vous permettra, en fonction de vos propres questionnements, d'aller répondre à vos questions plus précisément. Marie, un appel à témoins pour nos futures émissions. Et oui, on a besoin aussi de bien que vous. Tisame, là, je voudrais que ce soit mon fils. D'accord, alors, si tu es là, derrière ton écran, contacte-nous. Votre fils ou votre fille grandit, et le moment est venu de parler sexualité, contraception. Comment s'y prendre ? Quels sont les nouveaux moyens proposés aux jeunes gens ? Si le moment vous semble venu, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, justement, ou au contraire, si vous avez su franchir cette étape avec brio, eh bien, contactez Judith à maisondesparents@2p2l.com. Généralement, avec brio, c'est quand même des sujets délicats, il faut bien le dire. Donc, je vous le disais, la maison des parents est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. N'hésitez pas à aller sur le site. Merci Yasmine Ouglis pour toutes ces astuces, tous ces bons plans pour accompagner les parents. Merci Marie pour toutes ces informations. Et puis, le fait d'avoir le nez sur les réseaux, glaner toutes ces questions, c'est formidable. On se retrouve demain, évidemment, sur France 4. Je vous le disais, puisque nous sommes là aussi le matin à 9h pour la maison des maternelles. Je parlais de prendre les problèmes à la souche. C'est important de regarder les deux émissions. Fille qui est donc bien blonde. Les deux émissions. À demain, 14h ou 9h. C'est vous qui décidez en fonction de l'âge de vos enfants. Mais quoi qu'il se passe, les émissions sont bien et intéressantes.